Pour intégrer une école d'art appliqué, un DNMAD ou bien une école d'architecture, dans le cadre de Parcoursup, il vous est demandé de fournir une lettre de motivation. Cette lettre de motivation va devoir non seulement donner envie au jury de vous recevoir, mais en plus, en quelques mots, vous amener à présenter votre projet. Comme nous avons l'habitude de le dire à nos élèves Passart, votre lettre de motivation n'est pas une liste de courses. La priorité est tout simplement de parler de votre projet et ensuite d'expliquer au jury comment vous allez réaliser ce projet-là. Parler de votre projet, ça va être de mettre en avant votre intention et montrer que vous avez réfléchi au sens des études que vous voulez faire. Ensuite, dérouler la plot et expliquer comment vous allez réaliser ce projet. Parce que vous avez telle qualité, telle compétence et telle connaissance. C'est à ce moment-là que vous pourrez évoquer votre parcours scolaire, vos centres d'intérêt, vos activités personnelles. En deux mots, votre lettre de motivation doit donner envie au jury de vous recevoir. C'est ce que je disais précédemment. Aussi, faites court, allez à l'essentiel et mettez en avant votre singularité. À chaque point que vous allez aborder dans votre lettre, reposez-vous la question « qu'est-ce que ce point-là permet de dire de moi tout simplement ?» Enfin, soyez rigoureux sur la syntaxe, l'orthographe et la mise en page de votre lettre de motivation.